Après les attaques suicides de la veille, nous avons suivi Thibaut pour une évaluation sécu sur les zones concernées. Les habitants font preuve d'un courage exceptionnel pour défendre les leurs, même avec le peu de moyens dont ils disposent. Pendant une semaine, j'ai côtoyé les équipes de solidarité internationale. J'ai discuté avec elles pour mieux connaître leur motivation et leur vie ici. J'avais envie de vous les présenter. Une question bête. Moi, ça fait 3 jours que je suis là. Je suis en train de péter un câble. Entre tous les couvre-feux, le fait de ne pas pouvoir sortir dans la ville, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir aller manger n'importe où, n'importe comment, comme je veux. Comment on fait pour résister? Alors, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, que toi, du coup, tu n'as pas forcément ici. Mais nous, on est là pour une raison bien précise. Ouais. Et cette raison-là, elle prend quand même une grosse partie de notre temps. On est là pour 6 mois, 9 mois, maximum 1 an. Et du coup, ça prend le pas sur le reste. On n'est pas là en train de se dire, putain, merde, on peut pas sortir le soir. On est là en train de se dire, tiens, ce soir, je sais que c'est passé aujourd'hui. On est dans une espèce de dynamique de boulot. C'est ce qui m'a fait plaisir en découvrant le métier, quoi. C'est pas, tu tombes pas sur des gens qui disent, on passe notre vie à sauver des vies. C'est le but, mais il n'y a pas cette prétention-là, quoi. C'est le genre de boulot où, quand tu bosses, t'as un résultat qui est assez concret. Ouais, tu vois tout de suite, assez rapidement ce que tu fais. En plus, ça fait du bien au moral. Évidemment, c'est un engagement parce que c'est des sacrifices, parce que le fait de ne pas être avec les proches, le fait de ne pas manger de la bonne nourriture, le fait de... Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas mal de sacrifices parce que c'est des grosses heures de travail, c'est pas mal de pression, pas mal de stress, beaucoup de stabilité, des heures de travail longues. Donc évidemment, il faut que ce soit une vocation, il faut qu'il y ait des valeurs un peu supplémentaires que celles que ce soit métro, boulot, dodo. C'est le moment de dire au revoir. On a tous un petit pincement au cœur. L'équipe est vraiment top. C'était chouette. Avant de rentrer à Paname, on passe voir mon père qui vit à Abuja. Je lui explique la claque que je viens de prendre lors de mon séjour dans le Nord. Ça va très bien, Pépé. Mais toi, ça va? On va dire que ce qui est chaud, c'est que là, pendant la semaine où on était, il y a eu en tout 8 kamikazes qui se sont fait exploser dans des camps. Dans des camps? Oui. Ce qui me fait mal aussi, c'est le nombre d'enfants, la détresse des gens là-bas, les conditions de vie qui sont catastrophiques. Ce qui me conforte justement dans mon action avec l'ONG Solidarité Internationale. Leroy Tamakasan. Toujours vivant? Toujours vivant, frérot. Ça va? Bravo. Vous, félicite. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ta semaine ici? C'est pas du folklore en fait. On n'est pas là pour aller sur le terrain et dire ah, regardez comment on aide les populations, tout ça. C'est pas ça en fait. Vous êtes là pour travailler. Voilà. Et même si c'est y a un côté chevaleresque entre guillemets, venir en aide, quoi, c'est un travail avant tout. Quoi. Ce que je retiens, c'est l'urgence. Voilà, c'est l'urgence dans laquelle sont les gens que vous aidez. C'est cette urgence-là, quoi. C'est ça que je retiens le plus.